Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Evoland 2, partie 2. Et nous allons tout de suite continuer là où nous étions arrêtés. Après que nous ayons battu le gardien de la forêt, et que le démon s'était enfui, nous allons tout de suite continuer avec ce mode de texture. En difficulté maximale. Comme j'ai dit, j'espère que vous allez bien, que vous pétez le fond parce que bah, oui. Ah, le macabre. Je veux le nouveau coffre. Nouveau coffre, nouveau coffre. Encore Ah, une étoile, ok. Et les mobs reviennent. Ah. Ils trouvent tout mignon comme ça. Moins détaillé, mais ils sont toujours aussi mignons. Ah, d'accord. J'ai pas fait attention si en haut il y avait un arbre. Il y avait pas un arbre comme ça. Je pense pas, du moins. Je vais quand même essayer d'aller voir. Ah, ce jeu. Je sens que ça va être un bon jeu pour les 20 prochaines heures. Non. Il n'y a pas. Faute. Nous sommes niveau 3. Le boss nous trichotait, donc c'était un peu dur. Ah ouais, je me touche bizarrement la cible là-haut. Ok. Rien de bien surprenant. Voilà, toi aussi t'es obligé, c'était faux. Là je peux pas passer. J'ai combien d'argent? 182, d'accord. Alors, des coffres. Ou pas. Non, pas du tout. Pas de coffre. Mif. Par contre, des gold. De plein de gold. Ok, je ne peux pas passer par là tout de suite. Sert ce passage exactement? Rien. Ok, non, c'est bon, j'ai compris. Du moins, je pense. Eh oui, c'était ça. Tada! Windkiller. Windkiller, ouais, tueur d'herbe. Quand même. Attention, monsieur, je suis un tueur d'herbe. D'accord. Voyons voir, je n'ai rien loupé. Non, c'est bon. Et nous voilà au début, au retour dans le village. Ouais, toujours pas dans le village? Ouais, on est où là? Où suis-je, hein?
Me serais-je perdu? Faut quand même faire le tour de cette zone, hein. On ne sait jamais. Il y a un coffre en dessous, je l'ai vu. Par ici, un coffre là-haut. Je suis perdu. Où suis-je? Mais où est mon village? Mon père, mes amis, tout a disparu. Il faut que nous gardions notre calme. Il doit y avoir une explication logique. Mon père m'a toujours dit qu'il y a une explication logique à tout. En tout cas, j'espère qu'il avait raison quand il disait ça. C'est comme si mon village n'avait jamais existé. Kuro, tu as une idée de ce qui a pu se passer? Non. Même si je me doute, mais ça a sûrement un rapport avec le combat contre le gardien. Peut-être qu'ils se sont réfugiés dans les montagnes. Il faut qu'on y aille, je suis sûr qu'ils sont tous sains et faufs. Fin et fauf. Et moi bien parler. Oh! Ok, d'accord. Donc c'est bien comme je le pensais, hein. C'est sûrement un retour dans le temps. Tiens, c'est rare de se voir de la visite par ici. J'imagine que tu cherches à échapper à la guerre. Tu n'as rien à craindre ici, nous sommes loin des troubles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis installé dans le coin. C'est étrange, il me rappelle un peu mon père. C'est parce que c'est ton père. En tout cas, il n'est pas de mon village. Et il n'a pas l'air de savoir pourquoi il a disparu. Parce qu'il n'écoute pas trop ce qu'il dit. La guerre est finie depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il débloque un peu. Non, c'est juste un retour dans le temps. Un retour dans les anciens graphismes. Tiens, c'est rare de voir la visite par ici. J'imagine que tu fais un autre danger alors. Tu n'as rien à craindre ici, les ennemis sont bien des troubles. Ouais, d'accord, c'est la même chose. Rentrons dans sa petite carriole, on peut pas? Non, on peut pas. Pourquoi il y a que des endroits où il vous amène nulle part? Je comprends pas. Je comprends pas. Après la même musique que dans le 1, un peu remixé. Ouais, il n'y a pas de combat en dehors. Le col du grizzly. Il y a tout plein de gris-gris. Des gris-gris, des gris-gris, des grizzlies. Bah rentrons. Est-ce que si je repasse là-dedans? Ah ah! Comme je le pensais. Et celui-là, allez. J'ai quand même aussi envie d'essayer de voir ce qu'il y a là. Mal, hein, c'est grizzly. Il me faut une bombe. Ok, pas ce qui était prévu, mais bon. Il est complètement rouillé. Il faudra un gros coup de dent pour pouvoir le faire bouger. Bah d'accord, j'ai fait ce qu'il fallait sans le faire exprès. Trop génial. Ah, du heal. Toujours plus de heal.
Ok, un passage ici. Je peux pas passer au travers. J'ai que le droit de me reprendre un coup, c'est chaud. Qu'est-ce qui est prévu? Passer encore ici, on dirait. Ici, c'est bon. Ouais. J'essaie de comprendre ce qui se passe en fait. Que me demande-t-il de faire? Peut-être que ça peut passer au travers du bloc. Ah, à travers l'arbre peut-être. Essayer de voir si ça peut passer à travers ça. Non. D'accord. Je le saurai maintenant. Je le saurai. Ils font mal ces bébêtes, hein. Aïe. Activation de ces leviers, donc on passe par là pour activer le deuxième. Allez. Tada. Ah, j'ai fail, ok. Ok, d'accord. Voilà, voilà. Ouverture. C'est ça, move-toi. Toi l'araignée là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens plus? Allez. On va attendre un petit peu avant d'activer ça. Parce que je vois une petite tête de mort juste en dessous, ça me plaît pas trop. Mais on parie qu'il va avoir un boss. Allez. Oh non, c'est plein d'ennemis. J'ai pas d'esquive par contre, ça c'est assez chiant. Ah, je vais mourir. Ouh. Oh, je fonce dedans, hein, bravo. Voilà. Voilà qui est fait. M'a l'air d'être amical. Regarde Kuro, un mammouth.
Je croyais qu'ils avaient disparu à cause du réchauffement climatique. En tout cas, celui-ci nous bloque le passage. Je sais, je vais utiliser le bracelet de force que j'ai acheté à un marchand l'autre jour. Il devrait me permettre de pousser ce mammouth hors de portée. Ça ne marche pas. Si ça se trouve, le vendeur m'a vendu un bracelet tout bête, même pas magique. Si je le trouve, ça même ça passe un jour pour lui. Bon, je suis à court d'idées, je te laisse trouver une solution, Kuro. Ah oui. Il bloque clairement le passage. Ok. Merci, Mammouth. La Mammouth. Ok, d'accord. Ok, un trésor. Nice. Minerai d'Oricon. Forgé de puissants équipements. Qu'est-ce que je vois? C'est une ressource commune. Oh, comment je peux... Ah oui, d'accord. Oh d'accord, nice. Ok, je vois. Ah c'est... Est-ce que je me serais bloqué là? Est-ce que je serais bloqué? Ah non. Ce n'est pas fini ici. J'ai oublié de faire ça. Voilà. Heureusement que le jeu pense à tout. Si on essayait de le faire monter celui-là. Si on essayait de les faire monter tous les deux. Voyons voir ce que ça ferait. Mais tu passes vite quand tu joues à un jeu. On va sauvegarder hein, si on peut. On peut pas. Nice. Bah, c'est les types d'énigmes basiques quoi là. Oh, ok. Donc, il faut qu'il y en ait trois qui vont dessus. Ok, pas de problème. J'aurais pas dû faire ça. Je crois que je me suis bloqué. Ah non, c'est bon. Cherche-toi plus vite, ma chère. Je ne sais pas comment je pourrais passer. Peut-être que si je fais comme ça, ça marchera. Ah oui.
très très bien. Pas lui que je voulais taper. Pas lui. Réfléchissons un peu. Il me faut trouver un mammouth. Voilà qu'il n'était pas prévu. Oh, pardon. Excusez-moi. Mais voilà. Non, bah non. Ah si. Bah si, bah si. Voilà quelque chose qui était mal fait encore. Sinon peut-être que... J'essaye de trouver hein. Et voilà, c'est bon normalement. Je l'ai... Et voilà, les amis. Voilà qui est fait. La petite zone énigme du jeu. Ah ouais, j'ai pas trop galéré. Un petit peu, mais pas trop. Allez. Mon cher. Aïe. Ah ouais d'accord, t'es comme ça. T'es agressif. Comment ça je peux pas te toucher quand tu... Voilà c'est bon. Pardon. Un petit peu le hockey. Oh bah merci l'araignée. Les steaks de mammouth. La ligne de défense des animaux. Enfin la ligne de défense plutôt. Oula, tu vas te calmer la rebelle hein. Oh, ça sent la mort. Ça sent la mort, ça sent la mort. En poule. Les araignées sont assez chiantes. Il faudrait que j'utilise technique secrète. Hein. J'ai pas de touche d'esquive en plus. C'est assez chiant pour le moment. J'espère qu'il en aura une plus tard. Allez, salut. Allez, salut. Trop plein d'argent, je ne sais pas quoi en faire. Attrapez-la. Empêchez-la de s'enfuir. Cette petite a l'air d'avoir des problèmes. Tu crois qu'on devrait l'aider, Kuro? Qui êtes-vous? Vous semblez familier. C'est le professeur Giro qui vous envoie.
Jamais je ne retournerai dans son labo. Je ne connaissais pas de professeur Kero. Laisse-moi vous aider. Attendez, j'en viens. Et me revoici, désolé. Laisse-nous t'aider. Laisse-moi passer. Merci. Attrapez-la. Mais attention, le colonel la veut vivante. Ouh là, ça reste peut-être un peu chaud là. Je risque de mourir. Je suis mort. Oh non. Ça va être long. Ça va être long, très long. Surtout si je me fais toucher aussi bêtement. Je ne sais pas si je récupère l'XP, j'ai pas l'air. Je vais mourir. M'a l'air d'être quand même un peu dur le jeu, donc on va baisser un peu. En classique. On remontera si jamais besoin, mais pour le moment on reste en classique. Ils font déjà quand même assez mal. J'en ai marre de ces araignées. Bon, ça je t'ai pas touché. Alors. Bah juste qu'on continue un peu, puis on s'arrêtera là, ça fera une vidéo d'un peu plus de 30 minutes. Oh mais tu commences à m'énerver toi. Dis donc. C'est que tu commences à m'énerver. Voilà. Allez bye bye. Dégagez tous. Cassez-vous, je ne veux pas vous voir. Oh là là, je peux pas le skipper, non. Reculez, là là là, blablabla. Allez donc là. Ok. C'est reparti pour le fight. C'est assez chiant parce qu'on peut attaquer que dans 4 directions pour le moment, c'est ça qui est assez chiant en fait. Ok, il faut que je survive en fait. Allez, venez mes amis, on va se marrer. Le colonel. C'est le colonel qui m'en a dit. Que se passe-t-il ici? Où est la fille? Quoi? Ah, je suis obligé de mourir, d'accord. Qui sont ces gens? Ils nous ont attaqué alors que nous nous apprêtions à appréhender la cible, mon colonel. Je vous avais pourtant bien dit de ne pas l'effrayer. Où est-elle? Elle s'est échappée, mon colonel. Continuez les recherches et ramenez ces deux-là au palais. Je les interrogerai plus tard. À vos ordres, mon colonel. Ok. Kuro.
Tabao. Ah, enfin réveillé. Oui. Je ne sais toujours pas où on est, mais je commence à m'inquiéter. J'ai peur de ne pas pouvoir retrouver mon père avant longtemps. Regarde, ils ont mis en prison. Je n'ai jamais rien vu d'aussi sale. On se croirait venu il y a 50 ans, à la grande époque de l'Empire. En tout cas, je vois de moins en moins d'explications logiques à tout ça. Regarde. Le soldat qui est venu apporter l'eau a oublié de refermer la porte. On a vraiment de la chance, pas vrai? Eh bien, nous allons arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheStead pour un chouette image HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.